Bon matin! Bon matin! On joue à... Là, je sais, je vous montrais pas mon gars, il est en bobette, mais... Un classique! Hamburger this morning! Fait que, on est dimanche. Hey boy! On est dimanche, pis... Non, mais j'ai pogné l'oignon depuis tantôt! Mon Dieu, la grosse chicane de l'oignon! aujourd'hui, planning vraiment relax. On s'en va acheter des souliers à Laurent à Walmart. On devrait aller à la bibliothèque faire un petit tour. Peut-être faire une petite recette cet après-midi. Les enfants vont sûrement jouer dehors à la pluie. Yay! Yay! Ouais. Fait que ça ressemble pas mal à ça. On arrive des commis. Les enfants sont allés dehors. J'ai acheté quelques petites choses. Puis on est allé à la bibliothèque aussi. Fait que, premièrement, le premier arrêt, c'est aux gens coutus. Parce que je fallait que j'aille chercher des photos. Ah, d'ailleurs, je les ai dit. Je pense que je les ai laissés dans le char. Moi, je suis de la vieille école qui fait finir des photos. chez Jean Coutu, j'ai acheté du shampoing sec. Ça vous fait-tu penser à quelque chose, ça? On dirait que c'est une copie du Baptiste. Je ne l'ai jamais essayé. C'est un 120 grammes, 200 ml. Il est à 4,99 en spécial. Là, je viens de me laver la tête. Fait que je ne l'essayerai pas, là, mais il était vraiment à côté du Baptiste. J'ai l'impression que c'est carrément une copie. J'en ai jamais entendu parler. Fait que, à suivre. Ensuite, Laurent, avec ses sous, s'est acheté des cartes V-Box de Fortnite, en tout cas. Il aime bien ça. Puis Jeanne s'est acheté des petits colliers, cute. Après ça, on est allé chez Walmart. J'ai acheté des souliers pour Laurent. Peu importe où j'achète les souliers pour Laurent, je les achète au Sport Expert à 70$ ou chez Walmart à 30$. Au bout d'un mois, ils sont finis. Je sais pas comment c'est fait. Comment on peut aussi... Ils se traînent dans la boîte, ils se roulent à terre, je sais pas. Peu importe la marque, la sorte, la... au bout de 3 mois, ils sont finis. Genre, en tout cas. Fait que, voilà. Ceux-là, je pense que ça fait... J'achète 2 fois les rouges, je fais 3 fois j'achète cette paire. Ensuite, j'ai acheté un refill de crayon. Puis un refill d'efface pour les devoirs. Et finalement, j'ai acheté des micros mini-egg. Ils sont meilleurs, les micros. Les micros, là, sont peut-être petits, genre, vraiment petits, là. Puis, ce qui est nice, c'est que tu te mets une petite poignée, là, puis t'es en ligne comme ça, puis t'es croques tout en même temps. Genre, mettons, une dizaine, mettons, là. C'est tellement bon. C'est les meilleurs mini-egg, les micros, parce que les autres sont bons. Mais quand ils croquent, ça croque, tu comprends? Celui-là, il croque aussi, mais il croque moins fort, moins mal. Je me comprends. ensuite, à la bibliothèque, ouais, j'ai pris des magazines. Oh, j'ai une équipe qui saigne. Hein. Mon fils s'est pris un jeu de Switch. Ensuite, ma fille s'est pris ça. Mon garçon, des livres de Fortnite. Ce que j'oublie, genre, du temps de lecture, chacun de notre côté. Je trouvais ça très drôle. J'ai loué ça. Mademoiselle Godemichet. En tout cas. Puis, je me suis pris des magazines de course. C'est-à-dire le Canadian Running. J'ai pris un Canadian Running puis un Keymag. Keymag, j'ai vu ça la dernière fois que j'étais allée. C'est vraiment comme... Je sais pas si c'est québécois. En tout cas, c'est en français. Puis ça a l'air d'être comme à chaque saison. Évidemment, j'ai pas celui-là de l'été 2024 parce que c'est en consultation sur place. Mais j'ai celui-là du printemps 2024, hiver 2023 puis automne 2023. Puis je trouve qu'il y a vraiment des bons articles dedans, honnêtement. C'est super intéressant à propos comme des marathons de l'année, les sortes de marathons, des certaines douleurs que tu peux avoir à la course. Honnêtement, là, très, très nice. Et le Canadian Running, ça a l'air... Ça, je sais pas, ça fait combien de temps que ça roule, là, honnêtement, vous pourriez me le dire. Canadian Running, ça a l'air à faire plus longtemps que ça roule. Ça, c'est-tu aux saisons? Ça a l'air être aux 2 mois, je pense. Tu sais, je suis pas une super lectrice en anglais, là. Je le parle, je le comprends, mais à la lecture... Je ne suis pas encore super habituée. Fait que si c'est quelque chose qui m'intéresse, ça risque d'être un petit peu
plus le fun. Fait que, tu sais, c'est des articles sur un paquet d'affaires. Là, celui-là, il est sur les trails. Je suis pas une fille qui court en trail, mais ça veut pas dire que je le serai jamais. Mon amie Marie-Sophie, elle a fait de la trail. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai un peu son parcours via elle, on va dire ça comme ça. Là. C'est quelque chose qui est super intéressant, mais c'est vraiment différent de la trail. Fait que, il y a certaines places au Canada de course. Je trouve ça vraiment hot, honnêtement. Là. Tu sais, les magazines, ça peut coûter cher. Là. C'est à peu près 8$ le magazine. Fait que, tu sais, des loués, ça revient un petit peu moins cher. Alors, voilà. J'avais carrément oublié que je blaguais aujourd'hui. Hey, j'ai fini déjà. Moi, je l'ai vite, hein. J'ai déjà fini ce livre-là que j'ai loué tantôt à Bibiane. Quand même très bon, ce livre un peu sexu. c'était super bon. Là, c'est Laurent qui a fait le souper ce soir. Il a fait du poulet avec une salade. Puis, Laurent, qu'est-ce que t'as fait d'autre? Poulet, salade. Pas mal ça. Et poulet, salade. Ouais, fait que c'était quand même une bonne job. On t'a remis des patates pour les autres. Ouais, les patates, on va les garder pour le lunch demain, là, pour vos lunchs. Fait que moi, c'est cool parce que j'étais en vacances cette semaine, puis j'ai vraiment l'intention d'en profiter. Maman va lire des magazines. Jeanne? Attends. Ouch, mes cheveux. Tu veux-tu faire mes cheveux? Oui. Okay. Là, on va faire des kiffs. Attends, aujourd'hui, moi, quand maman lisait quelque chose de madame, moi, je lisais biscuits puis cassonade. Mm-hmm. Jeanne, elle a lu un livre au complet de biscuits et cassonade toute seule. Fait que quand maman lisait un livre de madame, c'est vraiment un livre de madame. Je vais aller m'en chercher un autre demain. Un livre de madame. Oh my god. Oh my god. On a pratiqué tes mots de dictée, puis t'en avais vraiment beaucoup. Hein? Faut qu'elle pratique tous les mots de l'année. Non. Bon, on dit bye. Bye bye. Bye bye. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Je t'ai habitué de dire à demain. Je t'aime. Bye!